Bonjour, dans ma chaîne YouTube français aussi. On reste toujours dans le même projet, projet 3, dire une légende. Séquence 1, personne et vie extraordinaire. Activité, compréhension de l'écrit. On commence par l'éveil de l'intérêt, la question. Cite quelques titres des légendes que vous connaissez. La réponse, quelques titres des légendes que je connais sont la légende de Sidi Mohamed l'Arab, la légende d'Ikar, la légende de Yenner et la vieille bergère, etc. Voici le support maintenant, je vais lire. Le maître érudit. Il était une fois un chir érudit et sage. Ce saint homme vivait dans la pauvreté et répandit parmi les jeunes les connaissances que Dieu lui avait permis d'acquérir, en lui donnant une intelligence lumineuse. Il était émis et admiré. Le sultan en devint jaloux. Un jour, il le fit venir et lui dit « Tu es un maître réputé, un pédagogue averti, je vais te confier un élève. Je t'accorde 3 ans pour lui enseigner le Coran. » Il lui présenta un jeune chameau, une belle bête comme toutes celles qu'il possédait. « Voici ton futur élève, lui dit-il. Réfléchis jusqu'à demain. » Si l'entreprise te paraît difficile, tu peux refuser. Je t'ai préparé dans ce cas un chaos profond qui sera ta prison et ton tombeau. Le chir s'en alla tout triste, maudissant sa science et sa sagesse, prête à se révolter contre son créateur. Il rencontra un derviche, homme simple et fruste, vêtu de guenilles, vivant d'herbes et de racines, en compagnie des bêtes sauvages qu'il préférait aux hommes. Il lui demanda conseil. « Homme instruit, lui dit-il le derviche, ta science te rend aveugle, borné et craintif. Peux-tu connaître les desseins du Très-Haut? Lui seul doit inspirer la crainte, non le sultan périssable. Va, accepte l'élève qu'il te propose. D'ici 3 ans, tu peux mourir, tu seras alors entre les mains du miséricordieux. Le chameau peut mourir, tu n'auras pas à prouver ton habileté. Si a sonné enfin l'heure du sultan superbe, tu te trouveras possesseur d'un chameau et plus riche que tu ne l'es à présent. » C'est ce qui arriva, le sultan ne tarda pas à mourir et personne ne s'engagea à réclamer le chameau. Voilà une anecdote qui peut servir d'enseignement à tous les impatients, les inquiets qui cherchent à pénétrer l'insondable au lieu de se laisser vivre et de se reposer à Dieu. Mouloud Firaoun. Étude des éléments paratextuels maintenant. La première question, que vois-tu sur la photo? La réponse, je vois sur la photo un vieux homme qui lit un livre. Deuxième question, quel est le titre de ce texte? La réponse, le titre de ce texte est le maître érudit. Troisième question, qui est l'auteur de ce texte? La réponse, l'auteur de ce texte est Mouloud Firaoun. Lecture exploitation maintenant. La première question. Le type de ce texte est narratif ou bien explicatif ou bien prescriptif. Choisis la bonne réponse. La réponse, le type de ce texte est narratif. Deuxième question, ce texte est un conte ou bien une fable ou bien une légende. Choisis la bonne réponse. La réponse, ce texte est une légende. Troisième question, où se passe la scène? La réponse, la scène se passe dans un royaume musulman. Quatrième question, quels sont les personnages de cette histoire? Ma réponse, les personnages de cette histoire sont le maître, le sultan et le derviche. Cinquième question. Quand se déroulent les événements de ce texte? La réponse, les événements de ce texte se déroulent durant la gouvernance islamique. Sixième question. Comment est-il le maître? La réponse, le maître était sage et érudit. Septième question. Quel est-il le sentiment du sultan? La réponse, le sultan était jaloux. Huitième question. Tu es un maître réputé. Cette phrase veut dire,
Tu es un maître connu ou bien tu es un mauvais maître? Choisis la bonne réponse. La réponse, cette phrase veut dire tu es un maître connu. Neuvième question. Le sultan a confié un chameau au maître pour qu'il lui enseigne le Coran. Vrai ou faux? La réponse est vraie. Dixième question. Le maître a demandé conseil à un commerçant. Vrai ou faux? La réponse est faux. Onzième question maintenant. Trouve dans le texte le nom qui correspond à ce verbe, enseigner. La réponse, le nom qui correspond à ce verbe, c'est-à-dire le verbe enseigner, est enseignement. Deuxième question, que remplace le pronom relatif qui? Comment l'appelle-t-on? Dans la phrase suivante, un chaos profond qui sera ta prison et ton tombeau. Voici la réponse. Donc, le pronom relatif qui remplace est un chaos profond. On l'appelle un antécédent. Treizième question relève le verbe conjugué dans son infinitif et précise le temps de sa conjugaison. Je t'ai préparé un chaos profond. Voici la réponse. Le verbe conjugué est préparé. Son infinitif est préparé. Il est conjugué au passé composé. Phrase de récapitulation maintenant, complète par légende, méchanceté, patience, propriétaire. 7. Nous montre comment l'art du maître érudit a vaincu l'art du sultan. Son geste a été primé après la mort du sultan. Il est devenu d'un chameau. Voici la réponse maintenant. Cette légende nous montre comment la patience du maître érudit a vaincu la méchanceté du sultan. Son geste a été primé après la mort du sultan. Il est devenu propriétaire d'un chameau. Merci pour votre attention, mes chers amis. Au revoir.